In this dark and gloomy world where people are looking for love, peace and understanding to the many questions, God has chosen the church as salt and light to bring hope and transformation. For this reason, Pentecost Hour, a sponsored broadcast by the Church of Pentecost, brings you God's undiluted word with simplicity, clarity and understanding. Our theme for this year, I Will Build My Church, seeks to build a church called out to become God's own possession and sent out to witness, serve, and possess the nations. In the coming years, the Church of Pentecost will strive to become a church whose members go to possess or take their nations by influencing every worldview, thought, and behavior with kingdom principles, values, and lifestyles, thereby turning many people to Christ. Welcome to Pentecost Hour, equipping the church to possess the nations. Pentecost Hour, God's timely word for our dying world. Praise the Lord, beloved. You are warmly welcome to the Pentecost Hour, a sponsored religious broadcast of the Church of Pentecost General Headquarters. In this edition, we take you to Benin, at the Palace of General Sports in Cotonou in Benin, where an induction service was organized for Apostle Felicien Holachi and farewell service for Apostle Mark Kofi Fachau. During the program, Apostle Eric Kwabena Nyameche, the chairman of the Church of Pentecost, spoke to the topic, I am building my glorious church. Praise the Lord to everyone. Mido penu aklunono mebisitame. We are grateful to God for this opportunity to be here. Mido penu mau denami jolojebo misihudo fi zanzelo. I want us to stand up and sing one's praise song to the glory of the Lord. Mbado mebi na chite lobona ji enpipa halokonu en maudo sansanelo. And I want everyone to be happy. Just bless the name of the Lord this morning. J'aimerais que tout le monde soit content bénissant le nom du Seigneur ce matin. Mbado mebi winise enki gonu mausi encore sansanelo. Sing one of your best songs. Chantez l'une de vos meilleures chansons ici. Nous pouvons dire hai ton dagbe dagbe hai dagbe dagbe yoro konu mi. Maya,
Alléluia. We want to bless God for this morning. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce matin. We want to give thanks to the Almighty God for all that He has been doing for us. Nous voulons remercier le Tout-Puissant pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. This morning we want to say, Father, we thank you. Ce matin nous voulons dire, Père, nous te remercions. The Bible says it's a good thing to give thanks unto the Lord. La Bible dit qu'il est une bonne chose de remercier le Seigneur. It is good to say, Father, thank you. C'est bon de dire, Père, merci. For the many things that He has done for us. Pour toutes les bonnes choses qu'il a faites pour nous. This morning we want to thank the Almighty God. Ce matin nous voulons remercier le Dieu Tout-Puissant. We want to bless His name. Nous voulons bénir son nom. Many years ago. Plusieurs années plus tôt. The Church of Pentecost Ghana conceived the idea of bringing the gospel to Benin. L'église de Pentecôte au Ghana a eu l'idée d'amener l'évangile au Bénin. A go Pentecôte on ko wa yi do nile me do mi na se eyin a go le ko ton so wa do eyin Benin se ku ma ji. Then little by little. Et peu à peu. O pere pere o. Today. De nos jours aujourd'hui. We are proud of what we are seeing. Nous sommes fiers de ce que nous sommes en train de voir. God has been very good to us. Dieu a été bon envers nous. We want to pay homage to all the past missionaries. Nous voulons honorer tous les missionnaires précédents. Nous voulons honorer tous les missionnaires précédents. Apostle Barabu and Apostle Asante for the good work that they did here in Benin. Les apôtres Ike, Barabu et l'apôtre Asante pour les bonnes œuvres qu'ils ont accomplies ici au Bénin. Et Messieurs Barabu, Kodo, Messieurs Asante pour nous, Asante Agbede, Wado Bénin qui m'a édifié. We also want to thank God for the life of Apostle René Coco. Nous voulons aussi bénir le Seigneur pour la vie de l'apôtre René Coco. Il est donc Benin à clonons et Messieurs apôtre René Coco Tintame. Then we want to say thank you to our brother Facha. Et puis nous voulons dire merci à notre frère Facha. But as leaders go and leaders come. Mais comme les leaders s'en vont et d'autres viennent. We want you to know that God is in His church and God is building His church. Nous aimerions vous dire que Dieu est dans son église et il est en train de bâtir son église. I want to read from Philippians chapter 1. J'aimerais que nous lisions dans le livre de l'épître aux Philippiens chapitre 1. I'll read from verse 3 to verse 6. Je vais lire à partir du verset 3 jusqu'au 6e. Philippians chapter 1. Philippiens chapitre 1. From verse 3 to 6. Verset 3 à 6. I thank my God every time I remember you. Je remercie le Seigneur chaque fois que je me rappelle de vous. In all my prayers for all of you. Dans toutes mes prières pour vous tous. I always pray with joy. Je prie tout le temps avec joie. Because of your partnership in the gospel from the first day until now. À cause de votre et de votre partenariat dans l'évangile depuis le début jusqu'à ce jour. Being confident of this. Étant persuadé de ceci. That he who has begun a good work in you. Que celui qui a commencé cette belle œuvre en vous. Will carry it on. Continuera. To completion. Et l'achèvera à perfection. Le bonheur faut assonner nous pendant bout et bout. Until the day of Jesus Christ. Jusqu'au jour de Jésus-Christ.
The Apostle Paul thanks God for the church in Philippi. L'apôtre Paul rendait grâce pour l'église qui est en Philippe. He blesses God because they are special people. They partner with him in ministry. Il a béni le Seigneur parce qu'ils sont des gens spéciaux et ont collaboré avec lui dans le ministère. But I want us to pay close attention to verse 6. Mais j'aimerais que nous portions une attention particulière au verset 6. Being confident of this. Être persuadé et convaincu que that he who began a good work in you, que celui qui a commencé cette belle œuvre avec vous, par vous et en vous, will carry it on to completion. Il la continuera et l'achèvera, la rendra parfaite. God did not establish his church and then left us and went to sleep in heaven. Dieu n'a pas établi son église puis est allé dormir au ciel, nous la laissons. He says, I will build my church. Mais il a dit, je bâtirai mon église. As leaders come and leaders go, I want you to know that the builder of the church is still God. Alors même si des dirigeants partent et d'autres viennent, j'aimerais vous confirmer que le bâtisseur de notre église, c'est Dieu, et lui, il est toujours à sa place. And I want us to be aware this morning that God works in us. Et j'aimerais que nous le sachions ce matin que Dieu agit en nous. He works in the church. Il travaille, il agit encore dans son église. He is fashioning it to a point. Et il est en train de la modéliser pour un point, un but. He has a goal. Et il a un but. God is working in us. Dieu agit en nous. And the Apostle Paul says that the one who has begun a good work will bring it to a completion. L'apôtre Paul nous confirme que celui qui a commencé cette belle œuvre l'achèvera à perfection. Until the day of Jesus Christ. Jusqu'au jour de Jésus-Christ. He is working amongst us. Il travaille au milieu de nous. To present the church as a bride to Jesus. Pour présenter l'église telle une épouse, une fiancée à Jésus. Le bonheur à quoi on s'occupe et ma outaïdi et assisino et on est donc. The Bible says a precious bride. La Bible dit qu'une épouse précieuse, une fiancée précieuse. Bible dans assisino et roi quoi assisino et assisino quoi. Ephesians chapter 5. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Mais Éphésiens sur moi état attends. I'll read 27. Nous allons lire au verset 27. To present her to himself. Et de la présenter, de se la présenter. Le bonheur se sortirait et dessous. As a radiant church. Comme une église radieuse, glorieuse. Dit ayant agon et roi quoi agon de pique peme. Without stain. Sans tache. Dit mado bloy. Or wrinkle. Ni ride. Or any other blemish. Ou toute autre imperfection. But holy and blameless. Mais sainte et parfaite. Lo agun wiwe podo e agun ma dawe nako. I will come back to this scripture again. Je vais revenir sur cette portion des écritures que je viens de lire. See, in the Old Testament. Voyez dans l'Ancien Testament. Mi podo alenu ho ho meo. There was this man who died without fulfilling an assignment. Il y a un homme qui mourut sans avoir
accompli la tâche qui lui incombait. He realized that it was something that he desired to do, vous but allez, God didn't give him the space to do that. Vous allez voir que c'était un truc qu'il avait à cœur de faire, mais Dieu ne lui donna point le temps nécessaire pour le faire. I'm talking about David and his desire to build a house for the Lord. Je parle de David et de son désir de bâtir le temple du Seigneur. Now, so when he was about to die, alors quand il était sur le point de mourir, he called his officials and his son Solomon. Il a appelé tous ses officiels et son fils Salomon. And this is what he said in voilà ce qu'il leur a dit. 1 Chronicles chapter 22. Dans le livre de 1 Chronique chapitre 22. Nous chroniques seulement nous comptons mais tâtons qu'on nous couvre. 1 Chronicles chapter 22. 1 Chronique 22. 1 Chronique là si vraiment nous comptons tâtons qu'on nous couvre. And I want you to listen to David's heart. Et j'aimerais que vous entendiez ce qui sortait du cœur de David. Maromini de ton oué gosi David c'est comme un de ton oué. I'll read from verse 5. Nous lisons à partir du verset 5. Mina bessi ramen à ton go. David said, he said to the hearing of all the officials as well as his son Solomon. Et David parlait à toute son assise qui étaient ses officiels, mais il s'adressa également à son fils Salomon. My son Solomon is young. Mon fils Salomon est jeune. Oh, fils Salomon, donc pas vous. And inexperienced. Et inexpérimenté. Bon, et cadeau jodé ou déa. And the house to be built for the Lord should be of great magnificence. Et la maison qui doit être bâtie pour le Seigneur doit être d'une magnificence grandiose. And fame, if you like, power. Elle doit être forte, glorieuse et célèbre. And splendor. Et avoir de la splendeur in the sight of all the nations, à la vue de toutes les nations. Therefore, I will make preparation for it. Alors, je ferai toutes les préparations pour cela. So David made extensive preparation before his death. Alors, David a fait toutes les préparations, il a apprêté tout ce qu'il faut avant de mourir. David a son nous noué qu'on a son à l'abri. Quoi ben a son goût de humble de gamin a son pas goût on a son l'abri d'un chobon à coup. But I want you to bring your mind to the scripture I just read again. Mais j'aimerais que vous rameniez vos pensées aux écritures que je viens tout juste de lire. L'homme parle mais dans les limites bidon wa noué kawaii disandé oji. This is David. Voici David. Hello, David dit. Scripture says that this is the man who was. Whose heart was after God? La Bible dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. He didn't make this statement himself. It was God who testified about him. Il ne s'est pas approprié, il ne s'est pas arrogé ce qualificatif, mais c'est Dieu lui-même qui l'a témoigné de lui. He was the one who loved God and sought to build a place that will befit the glorious name of our mighty one. Il était celui qui aimait Dieu et a voulu mettre en place un lieu qui sied à la gloire et à la splendeur de son Dieu. Et il me dit nous mau le beau pardonné et adopté mais nous mau fier Dieu fier quoi quoi bon à côté les bien quoi bien aille. Now the psalmist says that for the burden of building this house of God, David will not sleep. He wake up in the night and still be thinking of this house that he wants to build for the Lord. Le psalmiste dira que David, du cause du fardeau que lui portait la construction de ce temple, il ne dormait pas de nuit, il se réveillait et pensait à la magnificence de ce temple. And you see, God has revealed to him the dimensions of the building and he has written them down. Et Dieu lui a révélé les dimensions de ce temple et il les a écrites. Le et
You see, the church of God is like this house that David wanted to build. All the dimensions are with God. And he reveals them to leaders as they come and go. L'église de Dieu est comme ce temple que David voulait bâtir. Et Dieu lui-même en a établi les limites, en a établi les dimensions. Et les leaders, il leur révèle chacun en son temps. So he has all the drawings of this house that he has in his heart to build for the mighty one. Alors il avait une entrevue de cette magnificence du temple que Dieu voulait le faire bâtir. And you see, he has started making preparation for the house. Et il a commencé par apprêter tout ce qu'il faut pour la maison. David, then one night. Et une nuit. God appeared to him. Dieu s'apparut, Dieu se révéla à lui. David. Says David. Il lui dit, David. Bono, David. I know that you have a good heart for me. Je sais que tu as un bon cœur pour moi. But I'm not going to permit you to build this house. Mais je ne vais pas permettre à ce que tu me bâtisses cette maison. I'm sure he might have said, oh, why? Mais je suis sûr qu'il aurait dit, mais pourquoi? I'm sure it was because he asked something. That is why God said, your son will build. Je suis sûr que c'est parce qu'il avait demandé quelque chose que Dieu lui a dit que son fils le fera à sa place. And when he heard it, et quand il l'a entendu, when David said, he still didn't stop making preparation for that house. Il ne s'est toutefois pas arrêté d'apprêter ce qu'il faut, les matériaux nécessaires pour la construction du temple. What kind of a house was he going to build? Quel est ce type de maison que ce temple sera? And the house to be built for the Lord. Et une maison devait être bâtie pour le Seigneur. Should be of great magnificence. Doit être d'une grande magnificence. And fame. Et doit être glorieuse. Elle doit être puissante. Elle doit être célèbre. No, the house should stand as a king among the kings, with great majesty, say magnificent, trying to reveal the beauty of a great king. Yeah. La maison, le temple, devait se tenir tout en parlant et montrant la magnificence, la gloire et la puissance du grand Dieu dont il porte le nom. And fame. Et elle doit être visible, parler de lui-même, glorieuse. You see, that house should be talked about. Cette maison doit faire la une. Elle doit être discutée et parlée de partout. People should be able to discuss and compare and say that this one is the best. Ce temple doit faire le buzz où tout le monde doit être en train de parler pour dire ce temple, c'est le meilleur. Splendor. La splendeur. In the eyes of the nations. La splendeur à la vue de toutes les nations. They should be able to see the house and say, this is excellent. Ils doivent voir ce temple et s'exclamer que c'est excellent. In the eyes of the nations. À la vue, quand les nations y porteront leur vue. Those who don't even belong to Israel, even the enemies of Israel, should be able to see the house and say that this is splendid. This one, there's no fault. Même
même les ennemis d'Israël, ceux qui n'appartiennent pas à Israël, quand ils jetteront un coup d'œil sur ce temple, ils doivent dire, ceci est excellent, sans faux. Israël, Israël, nous nous in the New Testament, voyez dans le Nouveau Testament, the scripture says that God does not dwell in house made of human hands. La Bible dit que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Bible là nous dit eyin ma wu ku no no go ho egbe to si an lo gba eme o. But every one of us, mais tout un chacun, and all of us together, et tous ensemble, maybe we don't call, we are God's building. Nous sommes la bâtisse ou le bâtiment de Dieu. Mais go ho ma wu ton no gba ma wu ton. We are God's house. Nous sommes la maison de Dieu. And if David wanted to build such a magnificent house for the Lord, et si David voulait bâtir une maison si magnifique au Seigneur, if God is building his own house, what kind of beauty, what kind of magnificence, what kind of splendor will his house be? Si David voulait bâtir une maison si magnifique, imaginez quand Dieu lui-même est en train de bâtir une maison, combien plus magnifique, plus glorieuse elle serait. Hey David, bétoro le lito meo, aro tro na gba ho eji uro, bétoro mo bo kambi o, nu aklo no yo, minu mi ton limito bo aponu mau de sujite do eo, nyesu na gba go ho, newe kana ji ugbon, newe na ro pipe megon. Paul says, he who has begun a good work will bring it to completion. Et Paul a dit, celui qui a commencé cette belle œuvre en vous l'achèvera et la rendra parfaite. In Ephesians chapter 3. Dans le livre d'Ephésiens chapitre 3. This is the prayer of the apostle Paul. Telle était la prière de l'apôtre Paul. Hello, apôtre Paul ton. Now he prays for the church in Ephesus. Il a prié pour l'église d'Éphèse. Hello, de sado agun Ephésiens leton. That the church may have power. Que l'église ait de la puissance. Le bonu agboni mohlo yu sien domen. Together with all the Lord's holy people. Et tout ensemble avec tout ce qui était dans l'histoire de la loi. Kodo eipani no ko kodo nuedo eita esen tomen ko. That the church of God should be able to know the width, the length, and the height, and the deep of the deep love that Christ has for her. Que l'église puisse connaître la largeur, la hauteur, la profondeur et les tréfonds de l'amour de Dieu. Le bonheur a gagné mon séjour. Et il garde dit, et il doit, quand on est d'accord, et il gigon gigon wani, ma ou dona gwanton. Then he continues to pray that the church will know the love of God that surpasses all understanding. Il continue de prier afin que l'église puisse parvenir à la conscience de l'amour de Dieu qui surpasse tout autre chose. That the church should be filled with the full measure of Christ. Afin que l'église soit remplie de la plénitude de la mesure de Christ. Then when he was ending his prayer, verse 21. Il finissait sa prière au verset 21. To him be glory in the church. À lui soit la gloire dans l'église. He says that there should be glory in the church. Il a dit qu'il doit y avoir de la gloire dans l'église. The word glory means beauty in the church. Le mot gloire veut dire de la beauté dans l'église. Throughout all generations. Et pendant sur toutes les générations. So God is working in the midst of his church. Alors Dieu agit au milieu de son église. Le baba wada so wa bo zeni wedo eya guto teti. To make the church a glorious church. Pour faire de son église une église glorieuse. Le baba say aguto sablo agu ki gotona. Amen. Paul says there must be glory in the church. Paul dit qu'il doit y avoir de la gloire au sein de l'église. Throughout generations. De part et de travers les générations. So we don't just come to church to sing.
sing. Nous ne venons juste pas à l'église pour chanter. We don't just come to dance. Nous ne venons pas juste pour danser. We just don't come to hear the word of God. Nous ne venons pas juste pour écouter la parole de Dieu. We just don't run Bible studies. Nous ne venons juste pas pour conduire des études bibliques. We just don't hold revivals. Nous ne venons pas juste pour tenir des réveils spirituels. But through all the retreats, the prayer meetings and all that, God should be able to use that to fashion out a glorious church. Mais de par toutes nos activités, les réveils, les études bibliques, nos louanges, Dieu doit être en mesure d'utiliser cela pour sortir la gloire à son unique nom. That will be able to attract the nations. Cela serait en mesure d'attirer les nations. A glorious church. Une église glorieuse. A glorious church. Une église glorieuse. That will attract the nations. Qui va attirer les nations. We are not talking just about moral uprightness, moral beauty. Nous ne parlons pas d'une beauté morale ou civique ou une sensibilisation morale. But this beauty of the church should be like an aesthetic beauty, a beauty that the eyes can see. Mais cette beauté de l'église dont nous parlons doit être une beauté visible dont on peut être témoin oculaire. A beauty that will attract people to herself. Une beauté qui va attirer les gens vers elle. The Bible says that God is fashioning it so that the church will become without spot. La Bible dit que Dieu est en train de la préparer afin que l'église soit sans pluie. Without wrinkle. Sans ride. No such things. Il n'y a pas de ces choses. A beautiful bride. Une femme ou une fiancée belle. Well adorned. Qui sont bien et faites. An attractive bride to the bridegroom Jesus himself. Une fiancée attractive au fiancé Jésus lui-même. Now listen. Maintenant écoutez. Sometimes we take our eyes off the goal of the church. Parfois, nous relevons nos yeux du but ou de l'objectif de l'église. But the church has a goal. Mais l'église a un but, l'église a un objectif. Sometimes pastors take their eyes off the church. Parfois les pasteurs détournent leurs yeux de l'église et de son but. Sometimes members we forget ourselves of the church. Parfois nous membres d'église nous oublions du but de l'église. We think that the church is like any other society. Nous pensons que l'église est comme toute autre société, toute autre association. We forget that God is working amongst us to make us that kind of attractive bride to the outside world. Alléluia. Et nous oublions que Dieu est à l'œuvre au sein de l'église, travaillant pour nous rendre attractifs à celui-là qui revient nous chercher, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes mis à l'église. Il y avait une dame qui allait à l'église. And then she told the husband, please, I'm going to church. Et elle a dit à son mari, je t'en prie, je vais à l'église. On a Sunday morning, and the husband actually didn't really respond.
Et dimanche matin, elle dit qu'elle allait à l'église et le mari n'a pas répondu. And then the woman said it again. Please, I said I'm going to church. Et la dame le rappela encore. Je t'en prie, mon mari, je veux aller à l'église. And the man just lifted his head and said, since you started going to church. Et le monsieur a levé sa tête et lui a dit, madame, depuis que toi là, tu vas à l'église dans cette maison. You have always been going to church. Tu vas tout le temps, tous les jours à l'église. You know what the man is trying to say? Est-ce que vous savez là où le monsieur là va? Vous savez ce qu'il veut dire en mettant toutes ses virgules? When you had not gone to church, you were like this. Quand tu n'allais pas à l'église, tu étais tel. And all this while that you have been going to the church, you are the same. Et tout ce temps que tu vas à l'église, tu es toujours la même. Tel un chat, tu miaules toujours. Nothing is changing. Nothing is changing. Nothing is changing. You see, Mr. President, we want to thank God for your election. Monsieur le Président, nous voulons bénir le Seigneur pour votre élection. But you should be able to move this church from this point to a more glorious point. Mais vous devrez être en mesure de porter cette église du point où elle se trouve actuellement vers un autre point de plus glorieux. It should be a glorious, beautiful church that people want to join. People want that is attractive. Une église grande, glorieuse, belle, qui doit attirer les gens, dont les gens auront envie de joindre. A church that we should all be proud of. Une église dont nous serons tous fiers. Hallelujah. Church that we should. A beautiful church. Une église belle. A glorious church. Une église glorieuse. To the eyes of those who see. Aux yeux de ceux qui peuvent la voir. This is what was said about the early church. Voilà ce qui était dit de l'église primitive. Acts chapter 2. Acte chapitre 2. Voilà, apostolé ton tâton, oui. From verse 46-47. Every day. It is tous les jours. As chapter 46-47. Every day. Tous les jours. They, the church. Eux, l'église. L'église. Continue to meet together. Continuez de se rassembler. In the temple courts. Dans le lieu du temple. They broke bread in their homes. Et ils brisaient le pain dans leur maison. And ate together with glad and sincere hearts. Et mangeaient ensemble avec des cœurs joyeux et sincères. I want all of you to repeat this after me in English. J'aimerais que tout le monde va parler anglais ce matin. Vous allez répéter ceci après moi en anglais. Voilà, tout le monde va parler anglais. Are you ready? D'accord. Are you ready? I thought you say oui. Je croyais que vous alliez dire oui. Are you ready? Yes. Now, so repeat this after me. Alors, répétez les mots après l'homme de Dieu. Où on se tait. Praising God. Praising God. And enjoying. And enjoying. The favor. The favor. Of all the people. Of all the people.
See, those who saw the church, ceux qui voient l'église, they praise God. Ils bénissaient, louaient le Seigneur. For the brotherly love. À cause de l'amour fraternel. For the fragrance of holiness. À cause du parfum de la sainteté qui sonnait, qui se sentait au milieu d'eux. And the church enjoyed the favor of all the people. Et l'église jouissait de l'approbation et de la faveur de tout le peuple. This is the church that he wants to build. Voilà l'église, le type d'église qu'il veut construire. A glorious church. Une église glorieuse. A church that will exhibit his holiness. Une église qui va exhiber, qui va sortir, qui va démontrer sa sainteté. A church that is attractive. Une église qui est attractive. The church that will receive the praise of the people. Une église qui recevra l'acclamation et l'approbation de tout le peuple. And now look at the last part. Et voyez la dernière partie, s'il vous plaît. And the Lord added to their number. Et le Seigneur faisait accroître leur nombre, leur effectif. Daily. Quotidiennement, jour après jour, au jour le jour. Daily. Quotidiennement. People were coming. Jour après jour, les gens venaient, les gens venaient, les gens venaient. Daily. Tous les jours, les gens venaient. Those who were being saved. Ceux-là qui étaient sauvés. It was not difficult to join the church. C'était pas difficile de joindre l'église. Because it was an attractive church. Parce que c'était une église attractive. To build such a church. Pour bâtir une telle église. The leaders have a role. Les leaders ont le rôle. Et nous connaissons les deux à son assidu. And the members have a role. Et les membres aussi ont leur part. Le bas a convié leur sudo à son éton. All of us. Et tous, nous tous. Should cooperate with the leaders. Devons coopérer avec les leaders, les responsables, les dirigeants. Mais de là où azo alors l'homme est pas doué nous content de là où azo alors qu'on colle bico. To build a magnificent. Pour bâtir une église magnifique. Le bonado c'est où bas a coué Jioué. A church with fame. Une église qui a de renom. A coué pas benabodo y koda hoy. A church with splendor. Une église de splendeur. A coué do esisa da hoy. An attractive church. Une église attractive. A coué donc betoa elegoy. That you'll be able to possess the nations. Qui serait en mesure de posséder les nations. So this morning, may the Lord bless you. Alors ce matin, que le Seigneur vous bénisse. May he open your eyes to understand, to see who the glorious church is all about. Qu'il ouvre vos yeux afin que vous puissiez voir de qui il s'agit ou de quoi il s'agit quand on parle de l'église glorieuse. May he open your eyes to see what the glorious church is all about. Il ouvre vos yeux afin de pouvoir voir ce à quoi ressemble l'église glorieuse. And may you allow yourself for him to work on you. Et laissez-vous afin qu'il puisse travailler sur vous. Qu'il travaille. So that he who has begun a good work. Afin que lui qui a commencé cette belle œuvre en vous. Will bring it to a glorious completion. L'accomplisse et l'achève à perfection. A glorious church. Une église glorieuse.
Without spot. Sans tache. Without wrinkle. Sans ride. Or any of such things. Et rien de toutes ces choses de souillure. God bless us all. Dieu nous bénisse tous. L'église demeure en marche. L'église demeure en marche. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point. L'église demeure en marche. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point. L'église demeure en marche. L'église demeure en marche. L'église demeure en marche. Et les portes de l'enfer ne vaudront point. L'église demeure en marche. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point. L'église demeure en marche. On reprend. L'église demeure en marche. L'église demeure en marche. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point. L'église demeure en marche. Oh, et les portes de l'enfer ne prévaudront point. Restez debout, s'il vous plaît. We are going to stand. La chute de la famille dit. Nous allons rester debout. We are still standing, right? La famille a noté. Voici la condescendance de l'Éternel. This is what the Lord is saying. Voici la volonté de l'Éternel. This is the will of the Lord. Voici le but de Dieu pour son église. The purpose and the goal of the Lord for His church. Chaque pasteur ici présent. Qui officie un mariage. À un point donné, il pose la question. Qui donne cette fille en mariage? Et la personne qui a adéquatement préparé l'épouse. La personne qui a convenablement préparé cette épouse. Dès son bas âge jusqu'à sa maturité. Se lève et vient dire. Va traduire ce mot. Se lève et vient dire. C'est moi. C'est moi. Et voilà ce que Dieu nous a révélé ce matin. C'est quelle église nous préparons pour le Fils de l'Éternel Dieu. Et le jour qu'il va nous demander, le jour de la célébration, si le Père demandait, quels sont ceux qui ont convenablement, adéquatement préparé cette épouse pour mon fils Jésus, est-ce que nous aurons la capacité, l'audacité, le courage, église du Bénin, pour se lever et dire, oui, c'est nous qui l'avons préparé, Seigneur. Si nous avons préparé adéquatement une église glorieuse, sans tache ni ride, une église attirante, nous pourrons dire à l'Éternel Dieu, nous sommes fiers de l'église du Bénin. Dieu a pleinement joué son rôle. Mais ce qui nous revient là,
le leadership a sa responsabilité et les membres ont leur responsabilité. Donc nous allons prier. Chacun va prier sa part. Chaque leader à tous les niveaux. De l'assemblée locale au ministère. District et région. District et région. Et à l'échelle nationale. Le Seigneur de Vidi. Je me veux une église glorieuse. J'ai préparé convenablement ce point. Prions le Seigneur. J'ai envie de prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, ce matin tu t'es adressé à ton peuple. Tu nous as montré ta volonté. Tu es dans le processus de la construction de ce temple merveilleux. Cette maison glorieuse, attirante. Seigneur, cette église sans tache ni ride que tu as commencé et tu en as la capacité de la parfaire, Seigneur. Mais nous avons nos responsabilités, nous avons nos obligations, nous avons chacun de nous nos devoirs. Seigneur, je m'incline devant ta présence ce matin. Je prie au Dieu des cieux et de la terre, dans ta miséricorde, dans ta compassion, dans ton amour parfait. Souviens-toi de moi, Seigneur, et donne-moi d'être, Père éternel, le participant actif, Seigneur, dans le processus de la construction de ta maison pour laquelle tu es allé au séjour des morts. Donne-nous, Père éternel, chacun à son niveau quelconque, de pouvoir nous abandonner entre les mains de Dieu le Saint-Esprit, pour que, Père, tu nous tiennes par ta main et que tu accomplisses tes plans et tes desseins pendant notre génération. Jésus de Nazareth, l'église de Pentecôte au Bénin, l'église de Pentecôte en Afrique, l'église de Pentecôte dans le monde entier, nos yeux sont sur toi ce matin. Tous les leaders à tous les niveaux, tous les leaders, tous les dirigeants à chaque niveau. Seigneur, tu nous as dit ce matin que nous avons notre devoir, nous avons notre obligation, nous avons, Seigneur, notre responsabilité que le ciel nous a donné dans son mandat ecclésiastique de pouvoir, Père éternel, remplir convenablement afin que cette église dont tu te veux, une église sans tache, une église sans ride, une église, Père éternel, glorieuse, une église attirante, une église, Père éternel, que même les nations ennemies peuvent témoigner de sa splendeur, de sa grandeur, de sa magnificence, de sa beauté éclatante. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, élève-toi au haut des cieux. Nos yeux sont sur toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous n'avons rien sans toi. Nos yeux sont sur toi. Seigneur, étends ton bras fort au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu as déjà glorifié ton nom. Glorifiera encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus, notre Père et notre Dieu, ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, nous voulons te bénir pour la révélation de tes pensées, dans ton plan, tes projets et tes desseins. Tu connais déjà le type d'église, Seigneur, que tu auras sur la terre, et plus particulièrement sur la terre béninoise. Et tu t'es adressé à nous ce matin. Nous voulons te dire merci, t'apporter la louange, la gloire et les actions de grâce. En te remerciant, Père éternel, nos consciences ont été éveillées. Tu nous as, Père éternel, révélé ta pensée. Nous nous soumettons entièrement à toi. Seigneur, à partir du premier responsable qui va prendre la fonction de leadership ce matin, Seigneur, et tout son entourage exécutif, Seigneur, à partir de chaque responsable de l'assemblée locale, du district jusqu'aux régions, toute la nation entière est entre tes mains. Jésus, toi qui as dit, je bâtirai mon église et même les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Chaque membre qui a déjà son nom écrit dans les répertoires des registres de l'église et même tout ce que l'Éternel notre Dieu va amener s'ajouter à notre église, nous te les remettons entre tes capables mains. Que le ciel soit ouvert afin que, Père éternel, à partir de ces instants, que ta main soit sur chacun des autres leaders, que ta grâce abondante se déverse sur l'église. Et donne-nous, Père éternel, avec toi, en partenariat avec ton esprit, puisse ensemble, la main dans la main, dans une cohésion sociale, puisse bâtir une église glorieuse, sans tache ni ride, attirante,
Une église que même les nations ennemies vont dire, voici une église excellente selon le plan de Dieu, qu'il en soit ainsi, non seulement au Bénin, mais en Afrique et dans tout le monde. Jésus de Nazareth, toi qui as dit je bâtirai mon église, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Nous n'avons rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous n'avons aucune connaissance. C'est sur toi que nous comptons. Nos regards sont sur toi. Fais-le encore et donne gloire à ton nom. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit, que le peuple de Dieu dise Amen. Nous aussi te connaissons. Amen. Excellence, révérend apôtre Eric Nyamiche, président de l'église de Pentecôte sur le plan mondial. Honorable apôtre Emmanuel Jesse Addo, directeur des missions internationales. Honorable apôtre Ousmane Zabré, président de l'église de Pentecôte internationale du Togo et membre du conseil exécutif international. Chers apôtres, pasteurs et épouses, bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, distingués invités, grâce soit rendue à Dieu qui ne cesse de faire passer son Église de gloire en gloire. Qu'il nous soit permis de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie solennelle et de prendre la parole au nom du Conseil exécutif national pour rendre témoignage au sujet du serviteur de Dieu que nous honorons aujourd'hui, dimanche 1er septembre 2019. Je vais nommer notre cher président sortant, le révérend apôtre Marc Capoin Fatchao, que je demande à l'assise d'applaudir très fort. Avec l'image que vous nous avez toujours donnée tout au long de votre mandat à la tête de notre chère et commune Église. En effet, vous avez toujours servi Dieu et les hommes sans aucune ambition d'acquérir une quelconque gloire personnelle, puisque pour vous, la gloire est d'obédience divine. Recevez au nom de mes collègues et du peuple de Dieu tout entier nos sincères gratitudes et félicitations pour la qualité du travail que vous avez abattu. Permettez-moi, au nom du Conseil exécutif national, au nom des pasteurs et en mon nom personnel, de citer quelques réalisations et actions menées par cet homme dont nous célébrons aujourd'hui l'intelligence, le courage, l'humilité, l'intégrité, la sagesse, la simplicité ainsi que la patience dans les faits. Le dimanche 30 août 2009, le président Marc Capoin Fatchao prenait les rênes de l'église de Pentecôte entre les mains de son prédécesseur, l'apôtre René Coco, qui pendant son règne avait en pionnier de l'église fraîchement autonome du Bénin procédé à une profonde restructuration de la charpente de notre grande famille. Je veux parler de l'adaptation de la constitution de notre Église aux réalités béninoises. Il est aussi important de signaler à son actif un gigantesque travail effectué qui a consisté à doter l'Église d'une administration digne de ce nom, la rédaction d'un manuel de procédures administratives, comptables et financières simplifiées et l'instauration de meilleures pratiques en ce qui concerne la gestion des ressources humaines et financière de l'Église, et j'en passe. Prenant le relais, l'apôtre Marc Capoin Fatchao, le président, a su tisser la nouvelle corde à l'ancienne
en marchant sur les pas de son prédécesseur, sans toutefois manquer d'imprimer sa propre marque de fabrique. L'état de l'Église à son départ. Les deux mandats du président Marc Fachau ont permis à notre Église de consolider les acquis, mais d'enregistrer de nombreuses avancées succinctivement résumées comme ci-après. À l'arrivée du président Marc Fachau, la priorité a été beaucoup plus axée sur la croissance numérique du peuple de Dieu, tant en ce qui concerne les fidèles qui constituent le troupeau que ses bergers, que sont les pasteurs. C'est ainsi que de 2009 à ce jour, des pourcentages au niveau des différents agrégats se présentent comme suit. Nombre de pasteurs recrutés, soit 10, soit 98,59%. Si vous êtes content, applaudissez le Seigneur. Nombre d'anciens consacrés, 858, soit un pourcentage de 121,07%. Wow! Nombre de diaconesses consacrées, 2508, soit un accroissement de 310%. Wow, 310%. Nombre de diacres consacrés, 673, soit un accroissement de 93,73%. Plusieurs régions, districts et assemblées ont connu le jour dans l'univers géographique du territoire béninois. Ainsi, 9 nouvelles régions sont créées et ça fait un taux d'accroissement de 90%. 52 nouveaux districts ont été créés, soit un accroissement de 62,65% par rapport à la situation de référence. 453 nouvelles assemblées ont vu le jour, soit un accroissement de 85,63%. Au niveau des fidèles, il est aisé de constater que le nombre a considérablement augmenté de 29 068, soit un taux d'accroissement de 76,65% par rapport à la période de référence. Les réalisations matérielles. Fidèle à sa vision de bâtisseur, le président Marc Fachau a procédé à l'achat de domaines et parcelles de terrain, à la construction des chapelles, des maisons pastorales et l'ouverture de plusieurs chantiers qui verront le jour dans les années à venir pour le bonheur du peuple de Dieu. De 2009 à ce jour, 346 parcelles ont été acquises sur toute l'étendue du territoire de notre pays. Le plus marquant est l'achat d'un domaine d'une superficie de 16 à 10 CA pour une valeur totale de 52 millions au lieu dit Bodje, 6 dans la commune d'Abomey-Calavi, en vue d'y ériger des bâtiments de haut standing devant abriter le siège national de notre Église. Plusieurs bâtiments sont sortis de terre grâce à l'esprit d'initiative et de créativité de cet homme de Dieu que nous félicitons aujourd'hui de par ses œuvres. Et on peut citer 122 chapelles bâties en matériaux définitifs. 8 maisons ou résidences pastorales ont également vu le jour. 96 chapelles sont en cours de construction avec des taux d'exécution variés. On peut aussi citer la poursuite et achèvement de la construction de la résidence nationale. Grâce à son dynamisme et à son pragmatisme, le président apôtre Marc K. Fachau a pu continuer
les grands chantiers entamés par son prédécesseur, l'apôtre René Coco. Il s'agit entre autres de l'ONG H de Noé, dont les différents départements ont connu de grands progrès, notamment le centre de santé Péniel, qui aujourd'hui, par la décision du gouvernement, bientôt deviendra hôpital. Le département de l'éducation fait de grands exploits à travers la création d'une école primaire et secondaire, la Houlette d'Azové. Le département de l'agriculture en plein essor, sans oublier le département de l'orphelinat, de la veuve et de l'enfant malheureux, et de l'enfance malheureuse, d'Ovem. Acquisition de matériel roulant. Au vu de l'importance des moyens roulants dans la mobilité des opérationnels de toute entité, en vue de l'atteinte des objectifs, il a été implémenté une politique pragmatique de mobilisation de ressources qui a permis de doter tout au moins tous les responsables régionaux de véhicules. Les résultats sont allés au-delà des attentes au point d'impacter même des districts. De ce fait, l'Église dispose aujourd'hui d'un parc automobile non négligeable. À l'Église de Pentecôte, il y a des pasteurs qui se soient dotés de tout au moins une moto pour ses déplacements. Bien-aimés dans le Seigneur, chers collègues et amis, le présent témoignage à l'endroit de notre cher président sortant, je veux nommer l'apôtre Marc Capofacciao, vient une fois encore révéler la personnalité de l'homme. Les mots d'éloge et la mesure des œuvres réalisées nous manquent. Seul Dieu saura le faire. Au nom de toute l'Église, nous tenons une fois encore à vous réitérer nos sincères remerciements. Et que le Tout-Puissant, le Dieu de l'univers, vous accorde une santé robuste et fasse réjaillir son immense grâce sur toute votre famille. Une fois encore, papa, merci beaucoup. Merci pour votre travail bien fait. Et que le Seigneur, l'Éternel Dieu, vous bénisse. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Donc, l'exécutif entrant et sortant vont suivre le directeur sortant et iront saluer leur cher papa. Et n'ayez pas que nous ayons au grand miton et de titan si en soi, mais bien. Come on, come on, come on, come on.
When you have to lead a church for 10 years, when you bring it to a close like this, you should celebrate your God. The Lord has been good to our brother. Juncture, we want to stand up all of us together to thank God for what he used him to do. And then afterwards, we shall ask Apostle Barabu to pray for him that the number of years that he has in ministry, the Lord should continue to prosper his ministry. Shall we all lift our hands and begin to bless the name of the Lord together? Father, we want to thank you, O God, for the life of our brother. 10 years of leadership. Father, you have been good to him. You have gathered his going out and his coming in. You have never left him, O God, for the sake of your work. You have worked in the midst, O God, of your people through his hands and his thoughts. May your name be glorified. God. We exalt thee on high, O God, in the name of Jesus. The number of assemblies, O God, that you have granted, O, the number of districts, many ministers that you have called, O God, through his hands. Father, we say thank you, O God. This church never collapsed during his tenure, and my Lord, thank you. You are a mighty one, O God. You have been so gracious to our brother. May your name be glorified. May your name be exalted, O God. For himself, O God, and the family. You have preserved them, O God. These 10 years, O God. Thank you, O God, for the success. We bless your holy name. In Jesus' name. Au nom de Jésus. At this point, we want to respectfully ask Apostle Barabu to pray for Apostle Fachao and the family. Apostle Barabu, ni khude nu. Jehovah Lolo, Jehovah, Jehovah, Annunciado Año, Jehovah Lolo. Mi to gbara cho la si o madam
bomose moji na taorua onsema onngama na ka klona moma haji bona sinkin ma cho cho wole ka kayoma cho we baba ne fa hana ngogwe babu na nyetora munye dope nwufo nye ka ya kuma mi biya na musasa mi biya munya klongogwe yinao baye ke ngake ko tolongo ngogwa na nonyi klo watin chawe atu koreji babu na nyetora na jinyangu e na na musasa ndia ne la gogojo nchina ma mi chire kristo fo nkomo ye tesene bona dogura la nchina ma ke bona na musasa woto ido aji o be pe to tukore ye ta kono bi tu kore amen Now may the Lord bless you and keep you. May he cause his able face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord bless you and stretch forth his hand upon you and make the rest of your ministry even much fruitful than what we have seen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Au nom du Dieu le Père, le Fils et de Dieu le Saint-Esprit, au nom du Conseil général, au nom du Conseil exécutif national, au nom de toute l'Église de Pentecôte, je voudrais vous féliciter, apôtre Olachi Félicien, pour votre élection à cette haute fonction de président de l'Église de Pentecôte, Bénin. Je voudrais vous féliciter pour votre élection à cette haute fonction du président de l'Église de Pentecôte Bénin. Cependant, nous, membres du Conseil exécutif national et du Conseil général, voudrions que vous sachiez que l'acceptation à la présidence de l'Église vous impose les responsabilités suivantes. Que vous devez assumer dans la foi, l'espérance et l'amour. Vous, l'apôtre Olachi Félicien, serez le président de l'Église de Pentecôte du Bénin. Vous serez un membre ex officio de toutes les commissions et tous les comités de l'Église. Vous présiderez toutes les conventions et sorties d'évangélisation auxquelles vous assisterez. Vous confierez au secrétaire général toutes les tâches que vous trouverez nécessaires. Vous pouvez prendre des décisions disciplinaires contre un responsable ou un apôtre conformément à la constitution de l'Église et après avoir consulté le Conseil exécutif national, publier ladite décision par lettre circulaire dans toutes les assemblées. Vous pouvez envoyer des lettres pastorales ou des circulaires à l'Église chaque fois que le Saint-Esprit vous en inspire. Vous consulterez le Conseil exécutif national en tout ce qui concerne le gouvernement et des corps extérieurs. Vous défendrez la doctrine de l'Église de Pentecôte telle qu'elle se trouve dans le Nouveau Testament et telle qu'elle vous a été léguée par le fondateur et les pères de l'Église. Et maintenant, la déclaration de charge. Apôtre Olachi Félicien, je vous invite humblement à déclarer solennellement ce qui suit.
ayant clairement compris les responsabilités qui sont liées à la fonction du président de l'église de Pentecôte Bénin, acceptez-vous la dite fonction? Si oui, vous me répondez, oui, je l'accepte. Oui, je l'accepte. Promettez-vous solennellement de défendre les dogmes, les doctrines et les pratiques de l'Église et de travailler conformément à sa constitution? Si oui, vous me répondez, oui, je le promets. Oui, je le promets. Et finalement, promettez-vous d'assumer vos responsabilités vis-à-vis de Dieu, du Conseil exécutif national et toute l'Église sans crainte, ni favoritisme, ni mauvaise intention, d'être juste sans tenir compte du statut social, du genre et de l'arrière-plan culturel? Si c'est oui, vous me répondez, oui, je le promets. Oui, je le promets. Dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5, la Bible nous dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, empolté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 1 Timothée 4, 11 à 16 déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même, et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Now at this time we want to pray for our dear president. Now to accept to lead the church of God is no mean task at all. Accepter de diriger l'église du Seigneur n'est pas une tâche facile. It is not a post or a position. Ce n'est pas une position. It is not something that you should maybe glory in that I'm the president. But it's a lot of work. It's an uphill task. Ce n'est pas quelque chose sur laquelle tu dois compter comme un président parce que c'est un devoir à accomplir. So at this time, as many of us that love the church, that love the name of Christ, we want moment, to stand up on our à feet. À ce moment précis, tous ceux et toutes celles qui aiment l'Église et qui aiment le nom de Jésus, tenez-vous sur vos pieds. Then from the bottom of our hearts, et du fond de nos cœurs, we want to stretch forth our hands and pray with our president. But the Lord who had guided those who have gone before him, the same Lord who uphold his hands. Le Seigneur qui a dévancé et conduit ceux qui l'ont précédé fasse la même chose. Order his steps in his path. Que lui-même ordonne ses pas. And lead him into success.
conduise à un plein succès. That through him you will build a glorious church that we have spoken about. Chemin, le Seigneur construit sa, that the Lord will be with him and his family. Que le Seigneur soit avec lui et toute sa famille. That the Lord will cause his face to shine que upon le Seigneur him. Brille sa face sur lui. Shall we all pray together everywhere? Ensemble, shall we pray? So, let's lay hands on the Pasiko Robobolobobonia. Betayemo, Korobosende, Fatikenda, Macarianda, Biriando, Mokoko Robosinde, Mayende, Biriando, Mosiketen, some of you should lay hands on the children. Bayanda, Bakoko Robosende, Bakayanda. Biriando rororo bokotonde masanda. Biriande moko robosandi di divisende. Rabba ya kiriando moko tonde rere babanian. Father, take charge, take control in the power of the Holy Ghost in the name of Jesus. My God, change him, O God, and mold him into another man that you can use, another woman that you can use, children, O God, that you can use. Touch, O God, and quicken by the power of the Holy Ghost in the name of Jesus. Spirit of God, Spirit of God, wabaya, wombo, sende, briando, biriakatanda, masanda, boli, biriande, basakatanda, in the name of Jesus. At this moment, we want to respectfully ask Apostle Osman Zabri to pray for the president. Notre Père et notre Dieu, toi qui as connu cet homme et cette femme, avant même que leur mère ne les conçoive, et il t'a plu de les mettre à part pour le service divin dans lequel tu les as appelés. Cet après-midi, l'Église au Bénin, l'Église internationale, nous voulons te remercier pour ce don d'homme que tu as donné à l'Église. L'Église qui est ta propre propriété, pour laquelle tu es allé au séjour des morts. Merci parce que dans ton plan salvateur, tu as mis cet homme à part pour te servir dans cette capacité. Ayant accepté, Seigneur, la volonté de l'Esprit du Seigneur, la volonté du conseil de l'Église, Seigneur, nous le remettons entre tes mains. Cet après-midi, nous prions au nom de Jésus de Nazareth que le ciel lui soit constamment ouvert. Donne-lui d'entendre la voix de son maître. Donne-lui de voir des visions célestes selon les perspectives de son maître, bâtisseur de l'Église. Donne-lui, Seigneur, que ta main soit posée sur lui d'une manière constante. Donne-lui, Père éternel, d'être l'embodiment, Seigneur, la personne selon ton cœur. Donne-lui, Seigneur, d'être l'incarnation de la présence de Dieu le Saint-Esprit, afin qu'à chaque instant, comme ton esprit est l'auteur et la source de toute révélation, Seigneur, et de toute inspiration, que tu le donnes un plein succès, inspiration et révélation des plans et des projets de l'Éternel pour l'Église. Donne à ce que, Seigneur, personne ne méprise sa jeunesse, mais qu'il soit un modèle. Façonne-le, transforme-le, fais de lui, Seigneur, la personne éternelle qui va être selon ton cœur et qui va faire rien que ta volonté, qui remplira toute ta volonté. Seigneur, qu'il soit un sujet, Seigneur, de gloire, parce que les gens verront la gloire de l'Éternel qui se déploie en lui et par lui. Seigneur, qu'à travers cet homme, Seigneur, et son conseil exécutif et toute la composition, Seigneur, des acteurs de l'Église, des percées dynamiques soient données à l'Église du Bénin, et que le monde autour de nous témoigne de la main de l'Éternel à l'œuvre, et que ton nom soit glorifié. Nous te demandons aujourd'hui, Seigneur, de toucher ses lèvres afin que tu lui donnes la capacité de déclarer les oracles de celui qui l'a appelé des ténèbres à la merveilleuse lumière. Touche et ouindule ses oreilles. Donne-lui d'entendre la voix du maître. Touche et ouindule ses yeux. Donne-lui de voir au-delà de ce qu'il voyait. Et Seigneur, que ta main droite le saisisse par la main et que tu le conduises chaque jour afin que les succès autour de lui soient évidents et que le peuple de Dieu témoigne que ce n'est pas un homme, mais c'est l'Éternel des armées qui fait son œuvre. Qu'il en soit ainsi pour toi,
afin que ton nom soit glorifié et que l'Église atteigne l'optimum de la, du plan de Dieu pour notre génération. Qu'il en soit ainsi au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Amen. Now may the God of our fathers and our God today, may he cause his face to shine upon you. May the evil one lead you and use you as a factor of change and as a factor of transformation. May the Lord bless you. May the Lord keep you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Du président international, au nom du conseil général, au nom du conseil exécutif national, je vous présente le nouveau président de l'église de Bénin, l'apôtre Odachi Félicien. Alléluia! Maintenant, le président international va le mettre sur son fauteuil, symboliquement. Helmut, photo. Okay. Nous te mettons sur ce fauteuil, sur ce siège, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. No, no.
precious one. You've heard it all from the chairman of the Church of Pentecost, who took his time to break down God's word. The church has a role. Sometimes pastors take their focus off the goal. These were statements of the chairman of the church when he spoke to the topic, "I am building my glorious church." I would like to give you this opportunity to receive Jesus Christ into your life, the one and only one who can let you become a member of this glorious church, the church now and the church to come. And therefore, say this faith statement after me. Today, I believe Jesus Christ is the Son of God. He came to die for my sins and resurrected for my justification. I therefore receive him as my Lord and personal Savior. I will serve him all the days of my life. So help me God. Beloved, by this faith statement, today's salvation is your portion. We invite you to join any of the Church of Pentecost assemblies located within where you live and fellowship with them. You may also reach us on the numbers on the screen. May the Lord God Almighty bless you so you will remain a glorious church. Shalom. Bye-bye. Nusi meje na ona chena wa yo yana me.